Bon, c'est parti, on attaque le col par la route. Viens mon gros snow. Oui, c'est bien. On n'est pas encore arrivé. Hein. Bon, voilà, col de la Croix-Morant passé. La descente. Ma gamelle de pâte, la tente elle est mise par terre, elle est installée. Bon, bah, il doit être quelque chose comme 9h30 je pense. On en repart avec Snow. Bon, on attaque fort dès le matin. Voilà, ça grimpe, de toute façon ça va grimper jusqu'à la Croix-Morant. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et là on reprend route de la Tâche. Ça c'est un chemin que j'ai pris avec les nids en raquette, donc je sais exactement où on est. Hier j'ai hésité à le prendre et j'aurais dû. Du coup Croix-Morant 1,5 km, on a déjà fait la moitié pour rejoindre le col. Alors le snow il vient de prendre un gros coup de jus parce que dans le champ il y a des vaches et sur les fils il y a du jus. De la Croix-Morant, ça y est, on est arrivé. Maintenant, c'est que la descente. Pause de pansement. Bon bah l'aventure va se terminer pour Snow. Il est en route pour venir le chercher. Au revoir mon gros Snow. Allez va Snow.
marcher. Non, il peut plus. Salut mon snow, à bientôt. Bon bah c'est parti, encore 2h et demie de marche je pense. À plus. Et voilà notre vue du château de Mérol. Là. Superbe expérience, je suis allé au bout de ce que je voulais faire, j'ai quand même toujours mal aux pieds, hein, ça brûle bien, voilà, les rondins qui signifient que je suis vraiment arrivé à la maison, content d'avoir pris la bonne décision pour Snow aussi parce qu'il ne pouvait pas finir, donc voilà, et je vais pas recommencer demain mais c'était quand même génial quoi. Là, je suis content de rentrer, j'ai enlevé mes godasses et je vais aller boire un coup.